Astougueï, la micro-marieuse Touyaf avait consenti volontiers que nous l'accompagnions durant toute la journée de travail pour que nous soyons plus au fait des difficultés qu'elle rencontre et dont elle et ses collègues nous avaient fait part. Commence à 8 heures lorsqu'elles sortent chez elles pour se rendre à la plage afin d'acheter du poisson pour compléter le stock qu'elle avait gardé chez elles. Il arrive en effet que la journée se termine et qu'elle n'arrive pas à écouler toute la quantité de poisson qu'elle dispose. Elle rentre ensuite chez elle pour se préparer à la journée de travail. Elle passe à la sélection des poissons qu'elle emportera au marché. Pour la conservation de ce poisson restant en fin de journée, elle a une vieille carcasse de congélateur sans monteur et dans laquelle elle met la glace qu'elle dispose pour pouvoir mettre ce poisson sur le marché le lendemain. Elle prend enfin le chemin du marché et se rend habillée au garage où elle attendra le taxi. Le marché auquel elle se rend est le marché Kroyov et le taxi la descendra à un endroit d'où elle marchera pour pouvoir livrer à ses clients favoris la commande qu'il leur avait faite la veille. Une fois la ronde faite, elle se dirige vers la place fixe où elle vend le poisson. La place se situe à quelques encablures du marché de quartier de la cité Kroyov et elle s'y rend assez souvent pour se procurer d'autres types de poissons que ses collègues vendeuses lui refilent en commission. Elle marche toujours de longues distances avec la bassine en plastique qui contient sa marchandise et qui peut peser entre 15 et 20 kilos. Lorsqu'elle s'installe pour vendre et qu'elle doit ensuite partir au marché de quartier, elle confie la vente de ses produits à une vendeuse de légumes qui partage avec elle la place. C'est donc à cette place qu'elle passera une bonne partie de la journée dans l'attente de clients. Comme l'imoulanis a fait tout ça, si nous nous y offrons, des pratiques de sacré comme ils l'ont toujours pratiqué dans la tradition. Et mieux encore, les femmes, ce qui est particulier par rapport aux hommes, c'est que les femmes s'occupent aussi de la transmission de cette valeur aux enfants. Donc les femmes assurent aussi la perpétuité.
parce qu'ils n'arrêtent pas de rappeler à l'ordre leurs enfants qui sont influencés par l'urbanisation, la modernité. Donc, ils les rappellent toujours à l'ordre. Ça, c'est un rôle spécifique des femmes. Pour illustrer ça, hein, donc il y a plusieurs pratiques qu'elle continue à mener. Comme le, quand on dit le tour, c'est le sacrifice à la mer. Hein. Mm-hmm. Pas mal de sacrifices. La mer, c'est à travers la mer qu'on fait tous les sacrifices. Mm-hmm. Parfois aussi, ils donnent le génie ou l'esprit le recommande de faire de l'aumône à des humains. Mm-hmm. Donc ça n'a pas de la route. Ils font beaucoup de préparations à base de l'huile, soit c'est bouilli à chaud ou bien à froid avec du décaillé. Et ça, elle dit que toute cette croyance-là, même s'ils sont devenus des musulmans, ils continuent à la pratiquer. Donc pour le poids, sécurité physique et la sécurité dans la sécurité des revenus. Parce qu'elle dit que parfois dans le travail, elle sent qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, elle se retourne à son... J'ai eu pour faire des sacrifices, ou bien pour faire de l'aumône, c'est-à-dire préparer des repas bien spéciaux qu'il va donner aux enfants. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait ici. C'est chaque jour, ça on doit. Parce que l'essentiel, c'est toujours de faire plaisir au génie, à l'esprit, pour qu'il puisse vous protéger et protéger votre travail. Je m'appelle Ibrahim Edjen, je suis un pêcheur. J'habite à Yoff. Je suis le président des pêcheurs, l'interprofessionnel. Ici à Yoff, quand un pêcheur part à la mer, il fait un sacrifice. Il y a des pêcheurs qui font des sacrifices pour le lait, on verse dans la mer. Mais il y a d'autres qui font des sacrifices en tuant des bêtes. En tuant des bêtes, c'est le sang qu'ils versent dans la mer. Ça, c'est de la tradition Libou. Il n'y a rien changé jusqu'à présent. Ce que faisait mon arrière-grand-père, moi aussi, je le fais. C'est comme ça que tous les enfants Libou font. Ça, avec ça, ça, c'est une continuation que nous faisons. Pour faire le sacrifice, on dit que Mangere pour nous surveiller de jour comme de nuit. Vous comprenez? C'est pourquoi on est là pour faire le sacrifice pour toujours. C'est comme ça qu'on vit depuis qu'on est petit. C'est comme ça qu'on vit. Thank you.